Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bonjour, bon après-midi. Bonjour, bienvenue Bastien, bienvenue tout le monde. On va commencer après la lecture de notre versicule pour cette semaine qui c'est de Matthieu 7:3. Vamos a comenzar con la lectura de nuestro versículo semanal y de esta semana es Mateo 7:3. Y bueno, gracias por conectarse. Vamos a comenzar. Recuerden que hoy nos conectamos para la presentación de sus actividades, de sus tareas. Así es que básicamente la clase la van a dar ustedes, ¿ok? Tenemos acá la primera que dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Matthieu 7:3. ¿Pourquoi regardes tú le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tú ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Ok, Biblia en francés courant. Vamos a la lectura de este versículo de esta semana y luego vamos a comenzar con las presentaciones. Quizás lo vamos a hacer en el orden en el que me van a ir apareciendo aquí en el listado, ¿ok? Y si no, también lo podemos hacer en el orden de según quien quiera comenzar o también según el orden de los que me han enviado la información a mi WhatsApp, ¿ok? Vamos a comenzar con la lectura del versículo. Alison, Córdoba, su turno, solo en francés, ¿ok? Matthieu 7:3. Eso. Regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère? Alors, tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil. Bible en français courant. Excelente, merci. Bastien, su turno. Matthieu 7:3. Porque je gardais tous les bruits, les pas, qui est dans oui, de bruit, alors que tu regardais pas les portraits, porte, qui est dans toi, Bible en français courante. Excelente, merci. Ezequiel Gómez, su turno. Bonsoir. Bonsoir. Matthieu 7:3. Porque regardes tu plan du père qui est dans l'île de ton père, alors que tu ne remarques pas le pot qui est dans ton huile. Biblia en français, coupon. Merci. Vamos con Jaime, su turno. Matthieu 7:3. Pourquoi regardes-tu le brin de fil qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Excelente, merci. A ver, José García. Bonsoir. Bonsoir. Matthieu 7:3. Pourquoi regardes-tu le brin de fil qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu remarques pour les portes qui suivent dans Stolwill, Biblia en français, Coran. Excelente, merci. A ver. Kelvin. Matthieu 7:3. Pourquoi regardes-tu le vin de parler qui se danse le de ton père? Est-ce que tu ne remarques pas le porte qui se danse tout l'heure? Okay. Merci. Mario, su turno. Matthieu 7:3. Pourquoi regardes-tu les bruns de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Vive en français courant. Eso, merci. Nelly Hernández, su turno. Matthieu 7:3. Pourquoi regarder les brins de pluie qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Bible en français courante. Ok, muy bien, merci. Vamos con Rocío Rodríguez.
Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, c'est toi. Pourquoi regarder tous les brins de pays Oui. qui est dans l'œil de ton père, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans ton œil? Excelente, merci. Ok, ahí hemos entonces finalizado con la lectura, perdón, de este versículo que nos ha acompañado esta semana. Ok, ahora sí, ¿quién va a comenzar con su receta? ¿Lo hacemos en orden de yo quiero o en el orden que me ha dado aquí Zoom según la lista o cómo? A ver. Yo quiero empezar. Bastián, ok, Bastián. Ahorita, Bastián, permítame. Vamos a. D'accord. On va commencer après la première recette en français par Bastien. Bastien, commencez. Je vais vous apprendre à faire un pupusa. Une pupusa. Ingrédients. Pâte, fromage. Et haricots, première étape. Avec les pâtes, on frappe, puis on chivola, puis on plate les pâtes. Deux étapes. Et retirons les vraiment, trans les vivants, les retirons vraiment. Trans étape. Trois étages, ok. Ah, ok. Et nous faisons les haricots. Quatre étapes. Avec les haricots, prince en légende. Les pâtes est la procédure. Pour ça est terminé, puis on les met sur une planche chauffée à 17 tout. Ok. Merci. Merci à tous. Miren, en cuatro etapas, o cuatro pasos nos dio Bastian por hacer un pupusa. Los ingredientes son haricot, pan y así fromage. O sea, que nos hizo la receta de pupusa, fromage avec haricot. La famosa queso con frijoles o frijol con queso. La FQ, frijol con queso. Ok, muy bien, Bastián, excelente, merci. Ok, ¿qué persona va a continuar? ¿Qué persona va a continuar? ¿No? Alison, ok, Alison. No recuerdo si me envió algo, creo que no, ¿verdad? No, ¿se lo puedo compartir ahorita o...? Dele, 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 sí. Oh, d'accord. La seconde personne qui va continuer après la présentation d'une délicieuse recette, c'est Alison. Commencez. Bonsoir, aujourd'hui je vais présenter mon petite recette. Ce sont les crêpes, qui sont une nourriture très, très connue dans Paris et en France. Pour continuer, les ingrédients sont 100 millilitres de sucre, pardon, de lait Oui. et 60 grammes de beurre fondu, 2 cuillères à soupe d'huile et 3 cuillères de soupe de sucre. 300 grammes de farine, 3 œufs entiers, un plus de lait, une approximation de 60 centimètres de lait. Les ustensiles que nous allons utiliser sont une longe, un four de cuisine, une cuillère en bois et une poubelle à crêpes. Les étapes sont mettre la farine dans une tarine et former une pute. Et la seconde pas, c'est
y de Cash. poser pas, oh, merci. Le œuf entier, le sucre, l'huile et le beurre. Et l'étape 3, c'est mélanger délicatement avec une fouette et mesure le lait, les pâtés ici et obtenir une consistance liquide légèrement. L'étape 4, c'est parfumer un peu de lait. Et l'étape 5, c'est faire chauffer une poêle avec l'huile et très légèrement et pour adhérer pas la mezcla et aussi une besseronge de pâté et le partir dans la poêle, attendre que le soit l'huile ¿cómo digo? Caliente. Froid. No, chaud, perdón, chaud, chaud, froid es helado. Chaud. Okay. Et vous pouvez accompagner votre crêpes avec beaucoup de compléments. Par exemple, la framboise, les bananes, les cerises, la fraise, du pommes. Et pour la sauce, peut-être le chocolat, la Nutella, le yogur. Et quelques personnes le añaden l'avena o les almendras Oui. o limón. Oui. Ça, c'est tout. Et simplement préparer la dose et les compléments como la sauce o les fruits. Ok, les sus o les fruits. Dans la crème, je pense que son aussi salada y sucre, ¿no? Las crepas pueden ser saladas y también dulces, ¿no? Ce son avec du fromage, champignons, et jambon, ok. Excellent. C'est une recette très délicieuse. Merci, Alison. C'est très bien. Ok, chicos. Bien, vamos a ver. ¿Quién va a continuar? ¿La troisième personne? D'accord. La troisième personne en présentation de la recette, c'est Rocío. Comencez. Merci, bonsoir à toi, à tout le monde. Ma recette est sur croissant, jambon, fromage. Oh my God. Ça, nous avons des ingrédients. 200 grammes de jambon pour fumer, roulé de pâté feuilleté, 100 grammes de fromage râpé et jaune d'œuf. Okay. Nous avons coupé, non, vous devez, ou nous devez couper la pâté en 16 triangles, après déposer un peu de fromage sur chaque triangle, après couper le jambon en la net et le déposer sur le triangle. Se me trabó, espérenme, se me trabó. No, no era esa, era esta. Ok. Ejecuté de triangle del exterior ver el interior de circle de poseer le croissant sur un plat plaqué a jaune ou recouvert de papier sulfurisé. Et après, badigeonner les croissants de jaune d'œuf et des croissants de positif. Merci. Je crois, enfourner 20 minutes à 50, non, 180 degrés Celsius. Oui. Et après, s'ouvrir de jambon à des croissants jambon fromage Jambon fromage. Excellent. jambon. Merci. Très bien. C'est une recette très délicieuse. Vous savez aussi aujourd'hui comment est-ce que vous préparez les croissants jambon et fromage. Vous allez utiliser cet ingrédient
Sí, cómo son las formas. Aquí podemos ver realmente por qué es que tiene esa forma. Miren, a la masa la cortan, la preparan y la van enrollando de una sola vez de afuera hacia adentro. Entonces va quedando de mayor a menor y por eso es que después queda ese colochito que vemos aquí como triangulito. Ok. Excelente. Merci, Rocío. Ay, Dios mío, qué hambre. A ver. D'accord. La primera persona es Kelvin, après ton recette. ¿Cómo te sers? Ok. Je vous parle de tacos a la viande. Les tacos a la viande sont très délicieux et leurs ingrédients sont de la viande, de la tomate, de la noix hachée. Ils sont aussi de pimentón. Ils sont aussi de la sauce tomate non marinée et de la sauce tomate épicée. Et on leur répartit, c'est un parquet, la viande est hachée et aussi dans certains endroits. Il y a de la sauce et de la crotte, il y a de la lourdeur et du céleri. Par exemple, au Mexique, les tacos à la viande hachée ont une sauce épicée. Les tacos sont très délicieux et leurs légumes sont coupés en carrés. Tu me comes la viande, merci pour son attention. Excelente. Tacos a la viande. Parce que la E final se ne pas prononce. ¿Ok? Muy bien, excelente. Miren, le tacos a la viande. Muy bien. Deliciosos. Como ya bien nos decía ahí Kelvin, tacos se son très délicieux. Y se ven ricos. Miren esta imagen que está aquí. ¿Ve? Ok, merci Kelvin, excelente. Vamos a ver. Ah, ¿qué persona va a participar, Rubí? Jaime, muy bien, Jaime. De acuerdo, Jaime. Comencé a s'il vous plaît, après ton receta, Okay. Bonjour, je vais vous parler de la recette de poulet à la sauce jalapeño. Los ingredientes son 4 filets de poulet, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon émince, 2 gousses d'ail hachées, 3 jalapeños éminces, 200 mg de crème fraîche, à 100 mg de bouillon de poulet, sel et poivre à goutte. Corrin de franchise pour carnet. Instructions. Préparation du poulet. Assaisonner les filets de poulet avec du sel et du poivre. Dans une grande poêle, j'apporte l'huile d'olive à feu moyen. Assure les filets de poulet et cuire chaque skill sous soin de rester doux. Cotte et bien cuite. Environ 6-8 minutes par côte. Et retirer les filets de poulet de la poêle et les réserver. Préparation de la sauce. Dans les mêmes poulets, ajoute l'oignon émince et cuit jusqu'à ce qu'il sous-traîne environ 100 minutes. Ajoutez l'huile et les jalapenos émince cuits pendant 2 minutes supplémentaires. Ajoutez la crème fraîche et les boulons de poulet portés à ébullition. Puis dorer les poux et les lâcher mijoter pendant 107 minutes. Au jusqu'à ce que les sauces épaississent, la chantant à saucisser avec du sel et du poivre de goutte. Finition du plat, remettre les filets de poulet dans les poils et les nappes de sauce. Cuire un coup de 2-3 minutes pour bien réchauffer les poulets. Garnir des cornets fraîches avant de servir. Et servir chaud avec du riz et des légumes à des tortillas. Ok, excelente, merci. Miren, acá hay otra como forma de medida. Miren, sel et poivre au goût. Esta es lo mismo que pisque, como cuando decimos una pizca, pero aquí decimos al gusto. Esta expresión au goût podría ser otra forma de conocer medidas cuando estamos, por ejemplo, cocinando. Ok, muy bien. Excelente, c'est très bien, Jaime. Permítame. Merci. Merci a tu. Nelly tiene levantadita la mano. Ok, comencé.
Bonsoir, camarades de clase et professeurs. C'est juste à mon tour de faire ma présentation. Et ma recette à partager est de savoir comment faire des crêpes. Et matériaux. Des fers utilisables ou des fers à pâtisserie. Un œuf, une petite file d'huile d'olive ou de margarine. 3-4 tasses d'huile. Et 180 millilitres pour servir une cuillère à café de beurre, une trace de miel. Utensils. Moulée à crêpes, espatulée en silicone, poulet à crêpes, un bol. Ok, muy bien, c'est très bien. C'est facile. Ah, Por... espatule. Es, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló ahí? No, solo yo escuché algo. Bueno, aquí me habló la beba, pero allá creo que habló alguien más. Vaya, espatule sería en ese caso, ¿no? No es espatule porque no lleva tilde la E última. Merci. Ok, merci a ti. ¿Puedo continuar? Oui. Ok. Procedure. Mettez le fer dans un bol et ajoutez l'œuf et de lait. Mélangez bien que ces ingrédients sont intégrés et qu'il n'est resté plus de grumeaux. Pour terminer la préparation de la pâte à crêpes maçon, ajoutez un peu d'huile et mélangez bien. Pour réaliser les crêpes, faites chauffer un poulet et faites manger deux avec un peu d'huile ou de beurre. Lorsque la poulet est chaude, ajoutez une cuillère à soupe de mélangeur et laissez-la sur le feu jusqu'à ce que les bulles commencent à apparaître à la surface. Puis, retournez-la et faites cuire de l'autre côté. Pour servir la recette des crêpes, super facile. Ajoutez un peu de beurre et de miel et dégustez. Si vous souhaitez le manger avec quelque chose de salé, vous pouvez le servir avec du bacon et des œufs, la du brûlé avec du jambon. Merci pour ton attention. Merci à ti, Nelly, c'est très bien. Solo que hay alguien ahí que creo que se le está encendiendo el micrófono. Porque ya van como dos o tres veces que se escucha algo. Tengan cuidado. Ok, vamos a ver. C'est très bien. Merci. Excelente. Miren qué delicioso es. Los pancakes son unas cosas tan buenas. A ver, espérenme. Ok, comencé. Mario. Recette de crepes. Preparación. 10 ingredientes. Por invención. 10 o 20 crepes dans un petit pot. De farine, un dimlic de leche, dos ovos, un cu le a sop de huile, un pinch de sel, un sec de citron. Mets la farina dans un gran bol, casse le ovo, ajoute le huile, le sel et le lait peu a peu, mélange bien, parfume avec un sel de citron, laisse reposer en heure. Va chauffer la poêle huile
Le jugement et avec son plus de pâte, juste pour couvrir le fond de la poêle, la crêpe doit être très fine. Retourne la crêpe quand elle est dorée et qu'elle se détache. Serre avec du sucre, de la confiture o de chocolate pour les crêpes sucrées, du jambon, du fromage pour les crêpes salées. Bon appétit. En alemán, bon appétit pour presenter la recette. Ok. Muy bien. Permítanme. A ver. ¿Quién persona va a participar hoy? D'accord. Comencé, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Aprender a ver muy cómo preparar un delicio reserva de salmón a la cuy. Salmón cuy. Ingredientes. Bois de bergson. Longe de salmón, franc, du mayonnaise. Cache bim, blanc, du, en cuisine de cerosa, cirusa, citron. Am sel, confit de salmón, a few dificultés, fácil. Tiempo total. 20 minutos. Elaboración. 10 minutos. Cuisón. 10 minutos. New, ayun. Chalu, new, le fu, abe, chalu, de chavo. En bas à 12 ans. Et nous mettons ce chocolat long de saumon et va chercher à ce qu'il n'y a pas de coquilles et paires à sectionner, disponer dans un plat à un fou, je sais, applause. Les voitures repèrent à la mouture et moi la guerre à la vallée mayonnaise et un ajout de pâte citron et remue. Ne vous pardon le plan du jour accueillir sur femer un malien pardon avec la mayonnaise du chemin et à vous des moments et vous les faire pour que les papiers par l'incorporer et un malien jour de long d'une cuisse de manche de mayonnaise. Sorglion de salmón, le mechón, a fu ecuación, per 10 minutos. El tiempo exacto depende de la posición de león, si es fox le salmón, cuise fer, ni par, doré, le que se chor, le torne, a part du courlier, argiam, tu finir, rigier. Bon appétit. Excelente, merci. Bon appétit finalement. Ok, miren, deliciosa esta receta. Ok, Ezequiel me dicen acá que va a continuar. Vamos a ver. Oui. Permítame. Comenzar. ¿Aló? Oui. Comencer. Je vais vous présenter la recette du sandwich. Ingredients. Une tomate, une camembert, fromage, jamon, blat, du rodage de pain. Préparation. Cortez les tomates en tranches. Coupez les cortez en quatre tranches. Ajoutez un quart de fromage. Mettez un quart de jamon. Placer un fil de latte, placer ensuite les ingrédients dans un tour à pain et placer l'autre combat de pain dessus et le tour en tout pour profiter.
Okay, excelente, merci. Très facile. Okay, chicos, de verdad, muchísimas.